Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve au départ de la rando des collines à Pierrefeu 2022. On va essayer de se faire le 35, on va bien voir. Voilà, allez ça part de là. Le rituel avant rando. Allez, ben on est parti. Bon, aujourd'hui, petite particularité, je suis tout seul. Donc du coup, ils vont pas être là pour me motiver les copains. Alors je peux couper quand j'ai envie. Non, ben, je suis parti sur le 35. Je me sentais pas sur le 50. Donc 35 tranquillement. Et puis on va s'amuser. Allez, on est récompensé de suite, là, ça on a fait une toute petite montée, il y a toujours ce petit morceau de descente avant de rechauffer. La grosse montée. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et maintenant, c'est parti pour bien monter. Bon, mais comme vous pouvez le voir, après 2 km, ils ont fini de nous chouchouter, hein. C'est plus de l'échauffement, on rentre dans le vif du sujet. En haut, normalement, il y a le défibrillateur qui m'attend pour essayer de continuer la sortie, quoi. Non, ça va, pour l'instant, ça se fait tranquillement. En plus, en étant tout seul, tu vois, j'ai pas le... Et il manque les copains, mais j'ai pas le stress de me dire, là, en ce moment, qu'ils m'attendent, que je les fais chier. Donc, du coup, c'est... Moralement, c'est plus cool. Prends comme je le prends, quoi, comme je peux. Allez, voilà. Allez, on se retrouve là-haut. Allez, on est en haut. Et on redescend de suite. Ça, là, elle est sympa en plus. Bon, elle va nous redescendre sur encore une montée, mais bon. Elle est sympa quand même. Ça, on n'a pas le choix. Allez, Blue, il nous a fait un petit tuto marche où il faut rester vivant sur le vélo. Bon, ben c'est pas mon cas, bon, on dirait que je suis déjà décédé, quoi. Je suis raide comme un piqué. Allez, on s'écrase bien. Virage. Voilà, allez, à la Blo, olé. Ah, j'y fais un petit peu de pub parce qu'il a que 46 000 abonnés, alors si vous savez pas quoi faire, allez voir sa chaîne. Plus sérieusement, c'est plein de tutos mécaniques et d'ateliers. Bon, ben, c'est un professionnel, donc forcément, c'est toujours bien détaillé avec toutes les explications qu'il faut. Allez, big up à Blo, à Blo up. Allez, du coup, ça monte tranquillou. Là, on est sur la montée des Issambres. Monte plus tranquille que la fin de celle d'avant. Et puis après, on va voir où ils vont nous faire. Allez. Bon, tu vois, ça, c'est une rando pour moi que j'affectionne. 4 km, on a déjà le ravito. Voilà. Ça, c'est de la rando. Voilà. On dit un petit bonjour aux bénévoles. Bon, après avoir mangé un petit bout, on l'élimine de suite sur le petit coup de cul de la mort. On continue à monter. Et après, ça va descendre. Allez, c'est cadeau. C'est pour moi, petit point de vue. Par contre, la prochaine fois, je crois que je fais un petit Photoshop sur Google, ça sera moins compliqué d'aller vous la chercher. Allez, du coup, place à la descente. Alors, si on prend celle-là, ça veut dire que derrière, j'ai bien peur qu'on se fasse là
la montée des crapauds. Et celle-là, elle est terrible. Elle est longue. Enfin, c'est pas grave, on va y penser, on va déjà essayer de se faire plaisir en descente. Hein. C'est chiant. J'ai pas encore pris le bon quand je pense déjà au mauvais. Alors celle-là elle est sympa aussi, ça c'est celle qui nous descend sur la décharge. Pas à l'aise aujourd'hui, je suis pas moins que d'habitude. Alors là faut pas se louper, je crois que c'est directement à droite le dernier et la deuxième partie. Allez, je rappelle, on est sur la rando des collines de Pierrefeu pour ceux qui connaissent pas. J'ai pris une bûche. C'est pas fini. Essaye de lâcher un petit peu plus. Allez, on arrive sur la fin. Voilà. Bon ben du coup on fait pas la montée des crapauds, mais bon celle-là elle est pas facile non plus, mais bon elle est plus courte, mais elle est technique disons, contrairement à l'autre. Donc on va y laisser des watts. Pour ceux qui suivent les vidéos, j'ai pas pensé à vous le dire, en fait on roule sur le même secteur que la vidéo de la semaine dernière là. Mais t'étais dans la grisaille du sud. Et ça, si je sais pas si vous arrivez à vous repérer, on l'a faite en descente la semaine dernière. Donc du coup, on se la chope dans l'autre sens. C'est ce que je vous disais d'ailleurs dans la vidéo, que souvent on la faisait en montée et pas en descente. Allez, fini la première partie de la montée. Là, on continue à monter dans un petit single en contrebas de la DFCI. C'est cool ça, comme ça on n'est pas sur la DFCI. C'est plus sympa les petits singles. Mais bon, on n'est pas encore au bout de la montée. Là normalement on devrait rejoindre le ravito où on était tout à l'heure pour reprendre quelques forces. Là on peut dire qu'on est au tiers de la sortie, on a fait 10 bornes, 450 mètres de dénivelé. Bon, je pense qu'on sera aux 500 quand on arrive au ravito. Voilà quoi. Allez, ça redescendouille un peu. Celle-là, on l'a faite. Oh putain, j'ai failli me faire. Ah, oui, celle-là, on l'a faite la semaine dernière. C'était où il y avait la petite partie glissante sur la fin. Là. Je sais pas si vous rappelez. Ah.
Et aujourd'hui, ça glisse, mais c'est la poussière. C'est fantastique. L'arrière, il tient pas aujourd'hui. Si c'est moi ou... C'est mieux que dimanche dernier. Ça glisse moins. C'était celle-là. Hop. Et voilà. Hop. Allez, c'est terminé. Oh, voilà, je sais pas où on va là. Bon ben du coup on était juste à côté du ravito, mais là on est redescendu tout en bas. Maintenant faut remonter. Voilà, s'éloigner du ravito. Je mangerai pas encore. Il faut monter avant. Je suis un petit peu dégoûté quand même. J'avais faim. Bon, allez, tant pis. Obligé de remonter du coup. Ça part de là. Bon, celle-là, elle est longue, ça monte toujours. Là, tu vois, je suis dans la phase où les copains, ils me manquent. Là. Parce que là, c'est long. J'ai envie d'arrêter. Là, ça y est, j'ai le petit cap psychologique où j'en ai marre. Donc, il va falloir s'accrocher parce que là, cette fois-ci, ils sont pas là pour me motiver. Bon, dans mon malheur, j'ai de la chance, je ne m'étais pas repéré et j'étais vraiment pas loin du ravito. Donc ça va faire du bien de reprendre un petit peu des forces. Club de la Valette, vas-y, je laisse te présenter. Bah, je m'appelle Alan, j'ai 17 ans, je suis initiateur et je suis au club de la Valette, la Valette Cyclo. Voilà. Et aligné sur le 25 km, ce rando te plaît ou pas? Ouais, c'est bien. La balle ça, ouais, c'est bien. Pour l'instant, c'est très très bien. Ouais. Allez, on continue tout ça. Allez, pour l'instant, on n'a pas coupé. Deuxième boucle du 35. On va redescendre. Je sais pas où d'où on vient. Alors ça, c'est le petit single que j'ai pas pris dimanche dernier. J'ai charrié les collègues. Qu'ils étaient fatigués pour le faire et du coup je les avais suivis par solidarité. Comme ça vous le verrez sur cette vidéo. Allez, ça remonte un peu là. Et après on devrait rejoindre la DFC. Alors ça les amis, c'est pas cool. Ça c'est vraiment pas cool. Bon, ouais, je vous dirai en haut si je l'ai fait ou pas. Allez les amis, c'est gagné. C'est fait sur le vélo. Ça, ça fait du bien au moral par contre. Tu vois, ça veut dire que même si je le vois pas, ça progresse doucement. Même si je le vois pas en vitesse, c'est pas mal ça, je suis content.
pas ça. Longtemps que je l'ai pas prise. Je suis approximatif dans mes virages. C'est horrible. Il faut redescendre tout en bas en plus celle-là. Il va falloir tous remonter derrière. Aïe aïe aïe. De laisser passer les deux gars qui avaient devant moi parce que sinon les pauvres je les aurais bouchonnés. J'avance pas vite. Oh. Là j'acquiesce un peu le coup là. Ah, tu vois, je suis dans la phase où je fais pas du VTT, c'est le VTT qui fait de moi. Ah, je savais quoi. C'est dur d'être obèse et d'être fatigué. Allez, c'est parti pour une très longue remontée pour moi. Là, je crois qu'on va remonter jusqu'au ravito et on est descendu tout en bas. Bon, la fatigue commence à se faire ressentir durement. Je fais plein d'erreurs, j'ai du mal et ça serait con de se fracasser. Bon, allez, on serre les dents et pour l'instant on continue. On a fait 22 bornes, 784 mètres de dénivelé. On s'accroche. Bon, ben finalement ils ont réussi à nous faire descendre encore plus bas que la DFCI. On a pris une petite descente sur la droite, j'ai pas eu le temps d'appuyer sur la caméra, je voulais louper. C'était la fatigue cette fois, j'ai pas été assez réactif. Donc eh ben, ça veut dire qu'il va falloir remonter encore plus. Enfin, j'aurais pu couper, hein. Je l'ai pas fait. Pour l'instant, je suis assidu au parcours. Je sais pas jusqu'à quand, mais je suis assidu. Bon, ben, y a pas à dire, on peut que les féliciter parce qu'ils ont privilégié le maximum de singles pour nous. Nous sortir des DFC et c'est vraiment sympa. Bon, du coup pour moi c'est un petit peu plus dur mais c'est bien plus agréable, c'est bien sympa, franchement ils ont bien travaillé, super. Allez, aujourd'hui il fait beau, on en profite, la bande toile de fond, le coudron ou le pharon, je sais plus, à ce moment là de la sortie je sais même plus comment je m'appelle, voilà, c'est joli. C'est sympa. Allez les amis, on est arrivé à la fin de la deuxième boucle. On est revenu au ravito. Dur, hein, ça va pas du tout. J'ai le dos, il est en vrac. On va s'arrêter un petit peu là et puis on va voir. Allez. On est toujours sur le 35 pour l'instant. Je pense qu'on va couper un petit peu plus loin parce que le dos, ça va vraiment pas. On verra. Bon, le départ de la descente, ça, c'est de la DFCI. Après, je crois que ça devient plus intéressant. De mémoire. Je dois être vraiment sadomaso. J'ai pas coupé. J'ai continué là. Le 35. Ça c'est de votre faute. Parce que je me suis dit. Déjà pour les copains qui m'attendent à chaque fois et qui me motivent, faut le terminer. Et puis pour vous, je me suis dit, s'il y en a un qui veut récupérer le tracé parce que ça lui a plu, faut qu'il puisse le faire entier quoi. Donc c'est votre faute. Mais bon, c'est en. C'est un chiant qu'on progresse, hein, donc allez, tant pis, on verra bien. S'il faut pousser, on poussera, mais on va se le terminer.
entièrement. Go, go, go. Allez, on va s'essayer le coup de cul. Si je le fais avec ce que j'ai dans les pattes, ça voudra dire que j'ai progressé. Allez, ça va. Allez, accroche. 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 Oh putain. Oh, je suis content. Oh, ça c'est de la balle. Ça c'est de la balle. Alors là, je connais pas. J'espère que ça descend. Oh, comment fier de moi là. Franchement, fier de moi. J'espère que vous l'êtes aussi. Hein. Si vous l'êtes, hein, mettez vos commentaires, ça me fera du bien. J'ai mérité, merde, un petit c'est bien. Toujours tout droit. Ouais, ça sent la fin là. Ça sent la fin. Uf. Je coupe à travers champ. Oh purée, ça fait du bien. Allez, les derniers tours de roue et on est arrivé. Pour la pasta partie, c'est ici. Voilà. Merci. À table. Je suis venu que pour ça en fait. Bon, ben en tout cas, belle petite rando, ils nous ont fait passer par plein de petites brailles au lieu de prendre les DFCI, un régal. Bon, vous connaissez mon état de forme du moment, donc dur mais quand même très satisfait de moi de l'avoir terminé entièrement. Voilà, ben j'espère que cette petite rando, ce petit résumé de cette rando des collines de Pierrefeu vous aura plu et vous aura donné envie de la faire si des fois vous l'avez jamais faite. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine vidéo.